طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مجددا في منبر مبادرة الباحثين السودانيين في محيط اعتصام القيادة العامة سقطت ما سقطت حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب حرية سلام وعدالة والوعي قرار الشعب نرحب بأخواننا أساتذة اللغة الفرنسية المتطوعين لنادي مخاطبة اللغة الفرنسية تفضل يا أستاذ حسن Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous ceux qui nous regardent ou suivent derrière leur écran de tablette, de téléphone. On est le 30 mai, le 25, le mois du Ramadan. On est très ravis de vous recevoir et aussi que vous nous suiviez comme chaque jour. On est toujours devant les locaux généraux du quartier général de l'armée et toujours les manifestants qui restent à côté, qui restent dans l'ensemble de ce quartier afin de manifester, de réclamer, de demander leurs réclamations, leurs demandes et que le conseil militaire réponde au plus tôt possible à leurs revendication. Aujourd'hui, nous allons traiter une chose qui concerne les faits, les événements qui se sont tenus cet après-midi. On a entendu des tirs à balles réelles qui a fait un mort et plusieurs blessés. Nous sommes ici dans une position, dans une posture qui dénonce, qui condamne tout acte de barbarie, tout acte de violence extrémiste contre les manifestants et même aussi contre les militaires entre autres. Nous allons commencer toujours par la définition de ce mot et de ce concept de violence. Et toujours cette violence et ce monde qui est toujours en position de condamnation. Je passe le micro à mon ami Hassan, à mon collègue, qui va vous passer le salut. Bonsoir tout le monde. Je suis content d'être là parmi vous pour continuer le débat en français. Aujourd'hui, comme mon ami Bakri a dit, nous allons parler de la violence. Mais j'ai là une petite remarque à lui faire, c'est que la violence dont je veux parler, c'est pas la violence qu'on a vue les derniers jours ou même aujourd'hui dans l'après-midi, mais la violence depuis le début de la révolution soudanaise. Je parle de la violence qu'on a vue depuis décembre dernier. Et là, permettez-moi de donner une petite définition, une définition qui n'est pas en fait globale, c'est pas une définition qui donne exactement le sens du mot violence. Mais c'est une définition qui s'accorde avec mes connaissances. En fait, quand on dit le mot violence, ça veut dire toute attaque qui nuit physiquement à une personne ou à quelque chose. Je voudrais confirmer d'abord que la violence, c'est une pratique inacceptable. La violence, c'est une action inhumaine et la violence doit être condamnée de la manière la plus juste. Donc, si vous suivez l'actualité au Soudan depuis le début de la révolution soudanaise, nous avons vu des agents armés qui attaquent les civils, des agents, on ne sait pas s'ils sont vraiment, s'ils font partie de l'armée ou des forces officielles du Soudan, mais il y avait des personnes qui avaient des armes et
qui posait des actes de violence, ce qui a terrifié les Soudanais. Et ces actes-là aussi ont menacé la stabilité de paix dans le pays. Et donc, même aujourd'hui, nous avons choisi ce sujet parce que nous avons remarqué que la violence augmente de plus en plus sur la scène soudanaise, parce que aujourd'hui, d'après les informations que nous avons eues, on a attaqué une femme soudanaise, un homme armé, il a tué une femme dans la rue Ni. On ne sait pas pour quelle raison et on ne sait pas c'était pour quel objectif, mais c'est une action et c'est un acte de violence. Donc nous sommes là aujourd'hui pour savoir qui en profite. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des gens qui veulent que la violence règne aujourd'hui, parce que nous savons tous que les Soudanais ont clairement déclaré que cette révolution, c'est un moyen d'expression et c'est une révolution très pacifique. C'est-à-dire que nous n'avons pas des armes, on n'est pas là pour nuire aux gens, on n'est pas là pour détruire les établissements, pour détruire les biens du peuple. Nous sommes là pour passer un message, pour faire une dictature, cet régime qui a terrifié et qui est pour moi un régime terroriste. Parce que le fait de tuer des gens, le fait de menacer la paix, c'est inadmissible. Donc je condamne la violence qui a été commise pendant les 5 mois. Et nous voulons aujourd'hui savoir comment peut-on gérer cette situation, comment est-ce qu'on peut limiter, comment est-ce qu'on peut mettre fin à ce phénomène. Et nous sommes là aussi pour réagir. Nous voulons savoir aussi les questions que vous vous posez. Je ne veux pas être long à passer, je passe le micro à M. Gabi. Et donc, merci Hassan de nous avoir clarifié et d'avoir même mis la lumière sur le mot violence depuis le mois de décembre dernier où la révolution s'est déclenchée. La violence, même si vous avez dit qu'il y a une violence physique aussi, il y a une violence morale. C'est celle qui fait appel à des gens de faire la violence physique afin que le chaos règne dans une place déterminée, précise. Et par exemple, c'est aux alentours du quartier général où ces actions se sont tenues, où ces actions qui sont à condamner, on les condamne, et aucun communiqué de presse qui condamne avec la plus farouche, la plus stricte de manière possible, ces actes commis contre les civils et même contre ces militaires. Et pourquoi les militaires se sont accrochés au milieu des civils? C'est ça la question. Et la violence va à l'encontre de la révolution qui dont le titre et dont l'adjectif, c'est une révolution pacifique. Alors, l'antonyme de ce mot, de cet adjectif, c'est violent. Et quand on dit violent, même si tous les sens du corps s'attisent avec la plus farouche des manières. C'est ça le mot violence qui fait appel à toute chose qui est violente en toi et qui fait naître cette action barbare, ces sens et barbares contre la nature de l'homme, contre une nature pacifique.
nous devons aussi comprendre que, et ou savoir que le quartier général, c'est un quartier où une révolution pacifique demande un transfert pacifique du pouvoir à des civils. Mais qui en profite de cette violence? Je pense que la question de certaines zones du sit-in ne sont pas bien gérées, soit de la part des militaires ou celle des civils, des manifestants qui sont là. Il y a autant de choses et qui sont cachées. Il faut aller chercher la raison de cette violence commise. Quelles sont les raisons qui ont fait engendrer ça? Il y a des raisons qu'on doit les comprendre et on doit aller à leur quête. C'est ça ce que je demande. Pourquoi? Pour quelle raison? Et quel est le résultat? C'est-à-dire les conséquences de cette violence. Et qu'est-ce qu'ils ont engendré? Ils ont engendré beaucoup de dommages et beaucoup de mots désolés et qui sont adressés aux familles des victimes, aux familles des blessés. Une femme enceinte a retrouvé la mort à cause d'une action barbare. Ça, on ne l'acceptait pas. Oui, c'est avec profonde tristesse qu'on s'exprime. Mais justement, la profonde tristesse ne suffit n'est plus bon à rien. C'est la situation qui nous impose à nous. Nous avons un rôle à jouer, nous avons une chose à dire. C'est de faire arrêter toute cette barbarie. Il faut l'arrêter. Aussi, le conseil militaire doit comprendre ça. Pourquoi ces morts qui meurent n'ont pas de droit à demander, à exiger? Il faut qu'il y ait un point de contrôle strict. C'est dans le cadre du respect strict de la loi. C'est ça? Oui, un singe, je ne sais pas ce que... D'accord. Je voudrais parler de la violence à travers une autre perspective. Ça veut dire que quand je dis la violence, c'est pas la violence actionnelle, mais la violence, ça peut être aussi une mentalité. C'est-à-dire qu'il y a une mentalité qui encourage la violence, qui pratique la violence et qu'il faut absolument changer aujourd'hui et qu'il faut aussi condamner. Et quand je dis qu'il faut condamner cette mentalité qui favorise la violence, c'est pas en utilisant aussi la violence. C'est-à-dire, c'est pas par la violence qu'on peut lutter contre la violence. Lutter contre la violence aujourd'hui, ça exige une conscience, ça exige aussi des moyens très pacifiques pour mettre fin à ce phénomène inhumain. Parce qu'aujourd'hui, la violence, c'est pas seulement des personnes qui la pratiquent. Il y a encore des organisations terroristes qui pratiquent la violence. Il y a des pays même qui soutiennent et qui supportent toute forme de violence. Il y a des pays qui ne veulent pas une stabilité dans la région et qui ne veulent que la guerre. Et la guerre, c'est la forme de la violence la plus terrible, quoi. Donc aujourd'hui, notre défi, c'est de trouver des mécanismes, de trouver des moyens pour lutter contre la violence. La question, c'est comment peut-on aussi lutter, comment peut-on trouver des mécanismes pour finir cette situation de violence. Donc, là, je rappelle ceux qui sont là et ceux qui nous regardent en direct de poser des questions. On est là pour aussi réagir, pour répondre à vos questions.
et nous sommes là aussi pour parler de ce que vous pensez. Donc dites-nous ce que vous pensez à propos de la violence et comment peut-on gérer une situation de violence, qu'est-ce qu'il faut faire avec la loi, qu'est-ce qu'il faut faire avec la justice, et c'est ça. Vous avez parfaitement raison, Hassan. En ce qui concerne ou à propos des mécanismes qu'il faut trouver, ça, il faut s'intéresser au déclin social. Par exemple, trouver des mécanismes au sein de la société et déterminer l'orientation de la société. Est-ce que c'est une société violente? C'est une société pacifique? Et de quel contexte part-il ce monde violence et de quelle idéologie s'approche-t-elle la violence? Et comment pourrait-on trouver des moyens et des mécanismes bien déterminés et qui ont bien déterminé la situation et de la société et qui ont bien connaître l'ensemble de la société et le comportement social et le contexte dans lequel la société se retrouve. C'est ça. C'est cette idéologie qui favorise l'atmosphère violente doit être condamnée, mais pas seulement condamnée, mais aussi avec des lois qui restreignent le rôle à jouer dans la société. Et comment faire naître de nouveaux mécanismes adéquats à la situation dans laquelle la société se retrouve. Et aussi, ces mécanismes sont-ils très adéquats ou pas? Et des gens, comment des gens et spécialistes qui sont des spécialistes doivent se pencher sur ce phénomène répété, presque toujours répété depuis le 1er décembre. Depuis décembre dernier jusqu'à maintenant, alors c'est un phénomène, car je pense qu'on tolère cette violence par une condamnation passagère et qui ne suffit à rien. Et ça, ces spécialistes qui doivent se pencher sur ce phénomène en essayant de trouver des solutions définitif et non provisoire, car ils connaissent la société, ces spécialistes, c'est-à-dire les spécialistes sociologues, psychologues, qui ont bien sûr hâte de se pencher sur des études de recherche et d'essais de recherche anciennes ou nouveaux. Et ça, on pourrait trouver ces solutions et ces mécanismes qui pourrait répondre à cette question. Un autre point à signaler, c'est qu'aujourd'hui, le peuple soudanais, c'est un peuple qui est pacifique par sa nature. Ça veut dire que l'homme soudanais, quand je dis l'homme, ça ne veut pas dire l'homme, le contraire de la femme, mais Le citoyen soudanais, c'est un citoyen qui cherche toujours la paix, qui travaille pour la paix. C'est un citoyen qui favorise la paix. Donc, si nous regardons les devises de cette révolution, c'est la liberté, voilà, et la violence, c'est un concept qui va à l'encontre de la liberté. De la paix, qui va aussi à l'encontre de la paix, et de la justice. Parce que je voudrais aller un peu plus loin que cela. La violence, comme une manière de sanction, est-ce qu'on peut aujourd'hui accepter que la violence soit une façon de punir des criminels ou des gens qui ont commis des actes de violence? Pour moi, non.
la violence, ce n'est pas une méthode qui peut conduire à une stabilité, ce n'est pas une méthode qui pourrait développer les mentalités des gens, ce n'est pas une méthode de vie. La violence, c'est toujours à condamner. C'est vrai qu'il y a de la violence légale, quand on a des gens qui menacent la paix et qui utilisent la violence, là, quelquefois, on est obligé d'être aussi violent face à ces gens-là pour lutter contre eux. Donc, c'est vrai, la violence, ça doit être d'une manière ou d'une autre garantie par la justice et par la loi. Il y a aujourd'hui les forces de l'armée qui doivent protéger le pays. Il y a la police qui doit aussi utiliser quelquefois la violence, mais ce n'est pas une violence qui nuit physiquement à des personnes ou des biens du pays. Donc la violence, ça, c'est une question très importante. Il faut absolument en parler aujourd'hui. Nous savons que le peuple soudanais est déjà conscient. Une de mes remarques, c'est que les partisans de l'ancien régime, aujourd'hui, ils se mêlent entre les révolutionnaires, entre les manifestants, et c'est eux qui font la violence pour dire que c'est les révolutionnaires et les manifestants qui commettent des actes de violence. Donc ça, c'est pour donner une image très très négative de la révolution. Mais nous sommes là et nous savons très bien ce qu'ils font. Et nous avons tous les moyens légaux pour lutter contre eux, pour mettre fin à ce qu'ils font. Même si la violence, c'est un état de non-satisfaction de la situation dans laquelle un groupe social déterminé vit. Cela veut dire que maintenant le peuple soudanais se réjouit d'un état de paix intérieure et extérieure. Et ça, c'est va à l'encontre du désir de ceux qui, veulent vivre le contraire du peuple soudanais. Oui, c'est un état de non-satisfaction vis-à-vis de celle que le peuple vit. Et ça, la violence, c'est ça leur réponse à, on dirait, à la satisfaction populaire. Oui, les partisans de l'ancien régime veulent monter sur la scène, mais à travers la porte de la violence. Et ça reste encore inacceptable. Et s'ils veulent monter encore sur la scène soudanaise, pas par la porte de la violence, mais par celle des élections présidentielles qui auront lieu dans les années qui viennent, bien sûr. Et la violence, comme vous l'avez déjà dit, l'homme ou le citoyen soudanais est pacifique par sa nature, c'est parce que l'éducation qu'il recevait ou qu'il reçoit, c'est une éducation basée sur la tolérance, sur la paix et sur ce qu'on pourrait appeler la paix et la tolérance sociale. Par exemple, ce lieu est devenu un lieu de catharsis sociale, loin des surenchères politiques. Et ça, je pense que le fait d'exposer une image qui va à l'encontre de ce que le peuple veut, et c'est une surenchère politique qui est moins chère, qui est vraiment moins chère. Et ça, qui va ajouter au crédit de l'ancien régime, encore un cri contre le citoyen soudanais. C'est ça ce qui est inadmissible, inacceptable. Une autre perspective aussi qui se monte et qui se met sur la scène soudanaise, pour,
Pour quel groupe? Pour quel groupe? Ceux qui commettent de violence, ceux qui commettent de violence pour ce groupe, pour quelle raison et à quel groupe déterminé appartiennent-ils? C'est bien sûr un groupe de la violence, un groupe qui va à l'encontre du camp de la paix et de la liberté et de la justice. La violence, c'est... il y a une violence, comme vous l'avez déjà dit, et physique, ou une violence légale qui est garantie, légalisée par la Constitution, par la loi. Et cette violence n'est qu'une réponse punissante à une violence déjà commise par quelqu'un, par une certaine personne. Et ça, c'est une réponse, bien sûr, normale et légitime, et qu'elle doit être présente. Cette réponse, ce serait serre d'un frein contre une autre violence prévue ou imprévue. Mais la question aussi qui se pose aussi, est-ce que cette violence, ce serait une réponse à une non-satisfaction et qui va aussi favoriser un retour éminent de l'ancien régime ou pas? Je voudrais aussi assumer cette responsabilité de lutter contre la violence. Je condamne la violence de la manière la plus farouche et de la manière la plus juste, je veux dire. En fait, aujourd'hui, la violence, c'est une action. La violence peut être une action, mais elle peut mener à une réaction de même nature. C'est-à-dire, on ne peut pas lutter aujourd'hui par la violence contre la violence. Parce que si vous utilisez de la violence contre des gens qui font de la violence, ça va en fait engendrer plus de violence. Donc c'est ça la question. Je vous invite tous à réfléchir sur ce point et essayer de trouver des solutions. Parce que la violence, ça peut en fait mettre fin à notre vie, tous. Donc aujourd'hui, c'est très important de clarifier ces choses-là, de mettre les choses en évidence pour une situation de paix durable. Si vous voulez construire un pays, si vous voulez développer un pays, la première chose, c'est de lutter contre la violence. Et ce qui m'a en fait plu dans l'accord entre la force pour la liberté et le changement et le conseil militaire, c'est que l'accord était sur le fait que les premiers 6 mois après la transition vers la démocratie, ce sera une période pour inviter tous les mouvements armés au Soudan, tous ceux qui portent des armes, tous ceux qui participent aux guerres civiles, à une négociation de paix. Donc ça, c'est la première chose pour construire le nouveau Soudan. Il faut s'asseoir autour de la table, il faut écouter l'autre, il faut aussi savoir comment il justifie le fait qu'il pratique cette forme de violence et essayer de trouver, de répondre aux besoins de ces gens-là. Il faut en fait, il faut aussi, je ne sais pas, s'ils veulent participer au pouvoir, c'est un droit. Si des mouvements armés se sont mis dans une situation de lutte violente, c'est que parce qu'ils se sont maltraités.
dans le pays et ils se sentent qu'ils sont éliminés, qu'ils sont aussi aux marges. Donc la violence, c'est pas une solution. Mon message à tous ceux qui font de la violence, je voudrais vous dire ce soir que la violence, c'est pas une solution pour nos problèmes. Le seul moyen pour résoudre nos problèmes, c'est de négocier, c'est d'entrer dans un dialogue, c'est d'écouter l'autre, c'est de savoir comment il pense. Donc c'est ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Bien sûr, on est d'accord avec vous. Donc il y a des causes et qu'on doit aller les comprendre très bien, tout en les analysant. Pourquoi ces jeunes, ces gens qui portent des armes exercent les pratiques violentes? Pourquoi? Sont-ils des victimes? Sont-ils des victimes ou sont-ils des acteurs de cette violence, des acteurs de la première action? Car leur action, à mon avis, ce n'est pas une action, c'est plutôt une réaction, une réponse à ce qu'ils ont déjà reçu, à ce qu'ils recevaient pendant plus des années. Et ça, leur réponse était une réponse violente contre un régime qui exerçait la violence pour les éliminer. Et ça, la première des choses qui entraîne cette violence, l'élimination sociale et la marginalisation. Et le non-jugement de ceux qui commettent des crimes au nom de la loi. Même si à réduire la loi à des actes qui ne se conforment jamais, même à ces textes de loi. Et ça, il faut les condamner. Avant de le condamner, il faut le comprendre, il faut l'analyser. Et comme ça, on pourrait bien répondre à la violence de la manière la plus pacifique. C'est ça. Comme vous l'avez déjà dit, la violence n'est pas récompensée par la violence. Est reçu par la paix et par les négociations, par l'accord entre l'autre. Et aussi, il y a une réponse, par exemple, qui étanche cette soif de jugement. Il faut traduire tous ceux qui ont commis des crimes contre des gens en justice. C'est ça une forme de justice. Et une forme très juste. Si nous regardons aujourd'hui autour de nous, dans les pays voisins, regardez l'exemple de Rwanda, un pays qui a été complètement détruit par la guerre civile entre les Hutus et les Tutsis, voilà. Une guerre civile qui a fait des millions de victimes, une guerre civile qui a frappé tout le pays. Voilà, c'était une guerre qu'on n'a jamais vue en Afrique ou dans le monde entier. Mais aujourd'hui, les Rwandais se sont mis en situation de dialogue. Ils ont discuté les questions principales qui ont été la cause de cette guerre. Et aujourd'hui, l'économie rwandaise, ça c'est l'économie la plus forte en Afrique. Donc, et même le développement de l'infrastructure au Rwanda aujourd'hui, c'est incroyable. Donc pourquoi nous ne profitons pas de cette leçon historique? Pourquoi nous n'apprenons pas de cet exemple?
pas seulement le Rwanda, mais il y a beaucoup de pays, l'Éthiopie même, les pays d'Afrique du Nord, l'Algérie, le Maroc, même les pays les plus développés aujourd'hui au monde, ils sont passés par la guerre, par leur histoire. Voilà, mais ils ont fini par comprendre que la paix est la seule solution qui pourrait conduire l'humanité, voilà, à la prospérité et au développement. Donc, je pense que on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui pour parler. Voilà, j'ai pas vu des questions. Je passe chaque minute devant le caméra pour voir s'il y a des questions, s'il y a des... Mais je pense que c'est clair. Aujourd'hui, vous avez bien parlé. Personne n'a de questions à poser. Cela cause aussi une réponse, mais je la prévois comme une réponse pacifique et non violente. Aussi, l'exemple de l'Afrique du Sud. Là, en Afrique du Sud, il y avait eu une violence discriminatoire qui nuisait aux intérêts du peuple sud-africain. Alors, et qu'est-ce qui est le grand lutteur contre la discrimination, contre la violence en Afrique du Sud? C'était Nelson Mandela qui a pu finir par trouver un accord entre les blancs et les noirs en Afrique. C'est toujours par un moyen pacifique, la tolérance entre l'autre et le jugement. La violence c'est un état psychologique qui reste parfois expliqué et non expliqué. Et pour savoir ou connaître la violence, il faut d'abord comprendre les causes, les raisons pour lesquelles cette violence a eu lieu. Il y a des causes légitimes, il y a des causes non légitimes. Il faut les identifier, il faut identifier ces causes, les diagnostiquer et puis trouver des médicaments qui se conforment à cette maladie. Car la violence est une maladie et qu'il doit être soigné par des spécialistes, par des médecins. Etc. La violence passe par la famille, c'est le petit clan social, la famille, la société. Et si cette violence est acceptée, ce serait une catastrophe dans la société. C'est ça. Et je finis par remercier à tous ceux qui nous ont suivis et nous ont regardés, et même si commenté dans l'espace commentaire. Et s'il y a des questions, Hassan va les poser si vous avez trouvé des questions sur l'espace commentaire. Bah, en fait, il n'y a pas de questions. Peut-être qu'on a aussi des problèmes techniques parce que les commentaires passent voilà sur l'écran et je peux lire, mais je pense qu'on a un petit problème technique et on ne peut pas voir les questions qui ont été posées et même les commentaires. Mais on vous promet de résoudre ce problème le plus vite possible. En fait, mon dernier mot à dire sur ce sujet, c'est qu'aujourd'hui, la paix, c'est devenu une culture que tout le monde doit apprendre. La paix, c'est une culture que nous devons tous apprendre. La paix, c'est une leçon que nous devons intégrer dans nos méthodes, à l'école, au lycée, et même à l'université. Donc, la paix, ça c'est une leçon que tout le monde doit apprendre. Donc, la paix, c'est le plus haut sommet de l'humanité. Donc, si être humain,
c'est contrôler ses réactions, ajuster ses actions et aussi apprendre à savoir répandre la culture de la paix, la culture de la tolérance, c'est la paix, et dénoncer et marginaliser l'idée de la violence, l'idée de la guerre. La guerre toujours nous invite à nous reculer en arrière, à la première case départ. C'est ça? Donc, nous sommes là pour finir. Pour manifester, bien sûr, et réclamer les. Comme on dit, le transfert pacifique du pouvoir au civil. Voilà, mais moi je dis que nous sommes là pour la paix. Rien que la paix. Voilà, rien que la paix, nous sommes là pour encourager les processus qui mènent au paix. Nous sommes là pour dire non. Non à la violence. Voilà, donc oui. À la paix. Pour la paix. Merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention, nos chers téléspectateurs. Et à très bientôt. À très bientôt, demain. À demain. Merci.